continue de menaces de mort à ma personne, à mes gardes, mes gardes-corps, je n'ai pas de sécurité, j'ai décidé de prendre cette décision pour éviter la confrontation entre les forces de l'autre côté et les forces qui me gardent, et aussi éviter une guerre, je ne sais pas si je peux l'appeler civil, en Guinée-Bissau. Et pour sauver tout ça, moi je pense qu'il faudrait quand même que je prenne cette décision, que je pense courageuse, pour éviter encore le bain de sang au niveau de mon pays.